Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tetris Effect. Là, j'enchaîne les vidéos dessus. Je me suis dit, allez, j'ai envie de le finir aujourd'hui. Donc, on va enchaîner avec la sixième région, Starfall. La dernière peut-être, je ne sais pas, on va voir, il y a 5 petits niveaux à l'intérieur. Toujours, oh là là, oh là là, j'étais pas prêt. Excusez-moi. C'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça démarre sur les chapeaux de roue comme ça là. On va essayer de, hop là, de corriger ça du coup, hein. On part direct avec... Parce qu'on est en vitesse 15, ok. Je vous laisse profiter des chuchotements. C'est la merde. Je vais pas tenir longtemps. Thank you.
Je suis désolé, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré à fond. Ce qui ne m'empêche pas de perdre, hein. Malheureusement. J'aurais dû garder la barre. Heureusement que je peux faire des continues, hein. Ça y est, vitesse maximale atteinte. Ah là 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 là. Faut que je me concentre. Oh non. Oh là 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 là. C'est pas fameux ce que je fais quand même, hein, mais bon, beaucoup d'erreurs, hein. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, évidemment. Oh, les petits poissons. Pourquoi je fais ça? Ok, ça c'est bien. Ok, ça c'est bien. C'est très bien ça. Ça c'est très nul. J'ai failli mal valider la pièce. Allez, une barre, très bien. Ça va, ça se passe bien.
Hop. Très bien, ça s'est bien passé cette partie. Sous l'océan. Ah, changement d'atmosphère. À chaque fois, je regarde le nouveau décor. Et du coup, je rate les premières pièces qui tombent. C'est un petit peu dommage. C'est vraiment marrant comment les sons réagissent à mes mouvements en fait. C'est vraiment très cool. Erreur. Devenez la pièce que j'ai besoin. Une barre, évidemment. Je m'en sors bien. Aïe aïe aïe, je rate le coche. Oui, ça c'est très bien. Plutôt simple là, finalement. Je sais pas si c'est moi qui commence à reprendre le coup, mais je suis pas sûr. Ah, des petits oiseaux, c'est la migration. Ah, dommage. Ah, je me suis trompé encore. Pas très bien, la formation que j'ai est pas très bonne. Aïe aïe aïe. Ah oui, ça c'est beau.
Ah non, ah oh oui, j'ai réussi à le passer. Oh, c'était tendu. Là, je fais un bon enchaînement là. Et pour faire de la merde juste après. Aïe 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 aïe. Ah, une vitesse 20, donc ça allait encore plus vite. Après, quand ils peuvent aussi jouer sur le. La durée des transitions, quand par exemple vous faites vous remplissez une ligne, il y a une petite animation, la ligne disparaît et après ça enchaîne avec la pièce suivante, mais ils peuvent jouer un petit peu sur la durée de cette des pauses en fait. Pour rendre le jeu encore plus rapide. Alors la question c'est est-ce qu'il y a encore un niveau derrière ça? Métamorphosis. Eh bien, je vous propose d'enchaîner. Hein. Directement, sans changer de vidéo, directement, on enchaîne avec Métamorphosis. Je ne sais pas combien de temps ça va durer ce niveau. Et est-ce que je vais survivre aussi? Métamorphosis, moi ça me fait penser à, si je me trompe pas, un album de Jean-Michel Jarre. Mais je pense pas qu'on aura du Jean-Michel Jarre dans Tetris Effect. Hein. C'est bon, je commence à prendre le rythme avec les T et les J qui me posent toujours problème. Que ce soit pour les poser verticalement ou horizontalement d'ailleurs. Disons que je les confonds en fait. Ça qui est ennuyeux. Quelques erreurs à corriger. C'est mal parti. Pour les corriger. Ah, ça ralentit un petit peu. Oh là là, j'avais tout mon temps, j'ai validé la pièce sans raison, et ça c'est dommage. Je garde une barre. Je vais l'utiliser là. Aïe aïe aïe. Ça va pas. Ça ne va pas du tout. Je vois plus grand-chose. Avec tous ces effets.
C'est cool, j'arrive à redescendre un petit peu. Oh là là, j'aurais mieux fait de pas faire ça. Eh bien, est-ce que c'est fini ou pas? Telle est la question. Suspense. Fini, pas fini, fini, pas fini. Roulement de tambour. Les crédits. Directeur Takashi Ishihara. Project Manager Yasuyuki Togo. Voilà, je vais pas avoir le temps de tout lire, hein, je crois. Synthèse, 3 d'artiste et un directeur artistique Takashi Ishihara. Directeur du son Noboru Muto. Programmeur en chef Natsuki Nishimura. C'est vrai qu'il y a un mode multiplayer là-dessus. Puisqu'il y a des gens de l'équipe multiplayer, multijoueur. Superviseur de développement Osamu Kodera. Concept du jeu Tetsuya Mizuguchi Takahashi Iwara. Musique composée par Idelic. Alors j'ai bien aimé le jeu, bon je suis un fan de Tetris en même temps. C'est vrai que c'est une approche un peu différente de tous ces jeux qui existent déjà sur Tetris. Donc c'est assez intéressant. Après c'est sûr, je ne suis pas sûr que ce soit le jeu le plus adapté pour faire des vidéos relaxantes dessus. Ou pour même parler en même temps qu'on joue, ou même regarder. Le jeu à regarder peut-être beaucoup moins intéressant je pense qu'à jouer puisqu'on n'a pas cette connexion entre nos actions, nos inputs et la musique. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on bouge une pièce, qu'on tourne une pièce, etc., ça influe, ça impacte la musique. C'est ça qui est intéressant et assez hypnotisant quand on joue. Déjà que Tetris est un jeu de base assez hypnotisant, ça rend le truc vraiment intéressant.
Alors, résultat, rang C, c'est un petit peu mieux que le rang D que j'avais. Le succès. Level up qui sert pas à grand chose. Tac tac tac. Challenge réussi, blablabla. Félicitations, vous avez terminé le mode périple en expert. Votre score total sera maintenant enregistré lorsque vous jouerez à cette difficulté ou plus basse. Le score total est fait pour les joueurs qui veulent tenter le mode périple du début à la fin. Il enregistre les points jusqu'à ce que vous quittiez ou obteniez un game over. Amusez-vous bien et bonne chance. Eh bien, ça, ce sera sans moi, malheureusement. Et voilà, puisque je m'arrêterai là sur ce jeu que j'ai du coup terminé. Bon, malgré ce que j'ai dit pendant les crédits par rapport au fait que c'était peut-être pas le jeu le plus intéressant à faire pour la chaîne, j'espère que ces vidéos vous auront plu, vous auront intéressé, avec les ambiances sonores qui vont avec, etc. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez suivi ce let's play. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée ou peut-être une bonne soirée. Et je l'espère bien évidemment, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, comme j'ai dit. Je m'en mêle les pinceaux. Et je l'espère du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je l'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos relaxantes. Bye bye, bye bye.